les vacances de Pâques, vous avez une guitare cassée, formidable, pour écrire une chanson flash dont vous connaissez déjà le principe, quatre vers. Une guitare cassée est impeccable. Je vous montre, un blues sur une guitare cassée, c'est l'extrême. Il y avait un match de foot à la télé, on a fait l'amour, l'amour, chaque fois qu'un but était marqué. Ouais. C'était pas mal, m'a dit Ginette, dommage qu'il jouait pas au basket. Pour cette deuxième chanson, je vous invite à faire une œuvre philosophique. Un peu plus de réflexion, c'est toujours utile. Ça vous fera bien voir de la fille du concierge. Profitez-en, c'est important. Grand-père était plus qu'une ville, beaucoup plus qu'un département. Pour le décrire, c'est facile. Grand-père était un continent. Quand c'est beau, faut le dire. Vous le savez, la guitare est un instrument idéal pour la drague. Seulement, il faut savoir aussi amener les mots. La guitare serre, elle accroche les filles. Et puis, ensuite, viennent les mots. Voici une très belle chanson qui vous permettra d'assouvir vos bas instincts. Chaque fois qu'une belle m'aime, j'écris une chanson jolie. Ça fera dans une semaine 15 ans que je n'ai rien écrit. Il n'y a pas de quoi être fier, mais je suis content quand même. Hein. Alors toujours cette sacro-sainte idée qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Vous avez une idée de chanson, vous savez ce que va raconter cette chanson, mais vous ne savez pas comment la développer. Vous êtes timide. Très bien, c'est pas grave. Faites un titre qui comporte tout ce que vous aviez prévu de mettre dans la chanson. Par exemple, chanson du marin en colère après la mer, parce que celle-ci est démontée le jour où il neige autour de son embarcation. Flot, con, fastache avec Corbier. Maintenant que vous avez toutes les bases pour écrire une chanson flash, si vous n'y arrivez toujours pas, ça fait rien. Mettez-vous au trombone. Au revoir. Ça, c'est le premier.